Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire. Super facilement et super rapidement. Et en plus de ça, c'est le meilleur glitch de Fortnite chapitre 3 saison 1 actuel. Et vous allez voir, vous allez gagner énormément d'XP. Déjà, rien qu'avec mon compte principal, je gagnais des milliers, des centaines de milliers d'XP. Là, j'utilise un nouveau compte pour voir à quel point je peux encore gagner encore plus d'XP. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors déjà, première chose qu'il faudra faire, c'est appuyer sur carré quand vous êtes dans le lobby de Fortnite. Ensuite, vous allez dans le code de l'île et là, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 7, 2, 6, 4, 2, 9, 8, 7, 8, 0, 3, 2. Ensuite, vous validez et vous attendez que la map se charge. Voilà, donc là, vous acceptez. Donc, bien entendu, je mettrai le code en description, en commentaire épinglé. Donc, vérifiez bien que vous êtes en partie privée. Si vous voyez que c'est partie publique, vous faites flèche du haut pour aller en partie privée. Mais je pense que la map n'est que en partie privée. Donc, c'est parfait. Vous lancez la map, vous attendez que le chargement se fasse. Donc, je vais pas faire de coupure. Comme ça, vous verrez bien que je ne mens pas, que ça fonctionne bien. Donc là, le chargement de la map est en train de se faire. Regardez, je suis sur PlayStation 5, chapitre 3, saison 1. Et vous allez voir, je vais gagner, je sais pas moi... 1 million d'XP par minute? Un truc de malade les mecs, je vais gagner 1 million d'XP par minute. Peut-être pas, mais on va calculer de toute façon. Donc là, vous attendez que la map se charge. Il va falloir attendre 10 secondes. Et ensuite quand la partie se lancera, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. C'est très très simple. Et si vous suivez bien mon tuto, vous allez voir que vous allez réussir tranquillement. Faites bien tout comme moi et vous allez y arriver super facilement. Et en plus de ça, vous allez même pouvoir gagner des XP sans rien faire. Donc, vous allez dormir et le lendemain, vous êtes niveau 1000. Franchement, c'est un truc de fou. Donc là, ce que vous allez faire, c'est directement prendre la SCAR qui est juste ici. Ensuite, vous allez tirer dans les noms que je vais tirer. Donc, Edit Course, etc. Les autres, le seul que vous n'allez pas tirer, c'est Tunnel. Vous tirez dans tous les autres. Boum, boum. Voilà, comme je suis en train de faire. Parfait. Et quand vous avez tiré sur tous les mots, vous allez vous rendre dans la faille Warm Up. Ensuite, vous allez prendre vos constructions et vous allez créer des plafonds, enfin des toits, comme je suis en train de le faire. Des toits partout. Partout où j'en ai placé, vous en placez. Ensuite, vous allez créer des murs. Alors, les murs, hop. Les murs, il faut les placer partout, mais là, vous ne pouvez pas le placer parce qu'il y a un mur. Alors là, il faut détruire ce mur, voilà, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir placer les murs tout autour de vos toits, comme je suis en train de faire. Voilà. Ensuite, vous allez créer des box partout. Voilà, comme ça. Là, il m'en manque une. Et il m'en manque une ici. Voilà. Ensuite, vous allez créer un sol. Voilà, on va détruire ça parce que ça, il ne faut pas que ce soit là, ça. Hop. Vous allez créer un sol partout. Voilà, au-dessus de vos box. Ensuite, vous allez mettre... pas ça. Vous allez mettre un toit. L1, donc c'est un nouveau compte, donc c'est pas mes touches, donc je galère un peu à la construire. Ensuite, quand vous avez mis tous les toits, ce que vous faites, c'est que vous allez créer une petite rampe ici, donc avec L2, voilà, et vous allez créer des sols pour vous diriger vers la faille qui est tout là-bas, comme je suis en train de le faire dans le gameplay. Donc faites exactement comme moi dans le gameplay, et vous allez voir, c'est très 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 facile. Donc quand vous arrivez ici, vous sautez dans la faille, ensuite vous faites une edit, comme ceci. Et là, vous allez tuer tous les bots qui sont à gauche et à droite et en face de vous. Donc, tous les bots que je suis en train de tuer, vous les tuez. Déjà, je gagne déjà un XP. Mais bon, c'est pas ça le glitch. Hein. Mais ouais, je gagne déjà un XP par élimination. Après, ça, c'est pas foufou. Là, vous avancez. Vous allez tuer tous les bots. Hop. Voilà. Comme ça. Et il n'en restera que deux, je crois. Ouais, c'est ça, il en reste deux. Parfait. Et le dernier, il est juste là-bas. Alors, regardez, il y a une flèche bleue qui m'indique une faille. Vous, c'est possible que la flèche vous indique là, là ou là, comme moi. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre près de cette faille où il y a la flèche bleue. Et là, vous allez placer un sol. Vous allez placer un mur.
Voilà, comme je suis en train de faire, surtout ne prenez pas la faille. Vous placez des murs comme ceci. Ensuite, vous allez placer un plafond et un toit. Un plafond et un toit. Et là, vous allez placer un escalier. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vous rendre à droite. Et là, regardez, c'est un truc de fou. Regardez bien. Ok, j'ai gagné 2900 XP. Mais c'est pas tout, hein. Regardez. Voilà. 2000, 4000, 34000. Regardez un peu, c'est un truc de malade. Alors là, pour gagner des XP sans rien faire, en illimité, ce que vous faites, c'est que vous avancez. Vous cherchez le petit emplacement qui va vous permettre de gagner full XP. Ensuite, quand vous l'avez trouvé, vous appuyez sur le bouton, le pad de votre manette, ce qui va faire en sorte que ça va faire une course automatique. Donc le personnage va courir automatiquement vers le mur et vous allez gagner des XP en illimité. Donc là, ce que je vais faire, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai gagné 2000 XP direct d'entrée. Après, c'est possible que d'autres personnes gagnent 5000, 10000, 15000 XP directement, que vous gagnez plus d'XP. C'est possible qu'il y ait des personnes qui gagnent plus d'XP, d'autres personnes qui gagnent moins d'XP. Donc, ça varie en fonction des comptes. Bien entendu, ce glitch, c'est le meilleur. Donc, logiquement, ce glitch est le plus rentable que je connaisse. Donc, normalement, tout le monde va devoir gagner beaucoup d'XP avec ce glitch. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en gagneront un peu plus. Peut-être qu'il y en gagneront d'autres qui en gagneront un peu moins. C'est totalement aléatoire. Les XP dans le mode créatif sont complètement aléatoires. Donc, voilà, c'est à vous de tester et voir combien d'XP vous gagnez. Alors, je tiens à préciser aussi que c'est possible qu'au fur et à mesure que vous faites le glitch, les XP diminuent. Si les XP diminuent, c'est totalement normal. Et si les XP augmentent, bah, tant mieux. Parce qu'il y a certaines maps en mode créatif qui fait en sorte que plus vous allez XP dans la map, plus vous allez passer du temps et plus vous allez gagner d'XP. Donc, si cette map elle est créée comme ça, bah, tant mieux. J'ai pas assez expérimenté le glitch pour savoir. Je vous pose directement la vidéo avant que ce soit patché. Donc voilà. Et donc, si vous gagnez plus d'XP au fur et à mesure du temps, bah, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Mais voilà, ça reste très rentable. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test pour voir combien d'XP je gagne par minute. Donc là, dans 5 secondes, je vais lancer un petit chrono. Non, je vais le lancer, voilà, il y a 5 secondes. J'étais à 200 000 XP. On va voir combien d'XP je vais prendre. Donc là, ça fait 10 secondes. J'ai gagné 12 000 XP. Donc, 12-13 000 XP en 10 secondes. Donc, ça fait, on va dire, 10 000 XP en 10 secondes. Ça fait 60 000 XP par minute. 60 000 XP par minute, ça fait 600 000 XP en 10 minutes. Ça veut dire quoi? En 10 minutes, vous allez pouvoir gagner 1 million d'XP. Certaines personnes vont gagner 1 million d'XP, d'autres personnes vont gagner 500 000 XP en 10 minutes, d'autres personnes vont gagner 250 000 XP, d'autres personnes peuvent même gagner 2 millions d'XP en 10 minutes. Donc voilà, c'est totalement random, c'est très rentable, mais c'est totalement random. D'autres personnes, des personnes vont gagner blindés et d'autres personnes ne vont pas gagner beaucoup. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Dumb me.